Coucou YouTube, c'est une des meilleures annonces de cette année. Il n'y avait pas de tournoi depuis le début de l'année, aucun truc intéressant. Il y a 2 ans, il y avait tous les Lords of Warzone qui étaient juste trop bien, dont on a gagné une bonne partie. L'année dernière, ça a été les Twitch Rivals qui ont fait le café, dont le WSOW, la fameuse game à 100 000 $ qui annonçait qui était le meilleur joueur Europe et que j'avais gagné. Moment incroyable en quelques images. Wait, it's a 1v1 after this! Wait, he's able to self? No health? What? The deep breath is in. 3 remain. He's got stuns. He could do this. He's got a thermite as well. He's got a thermite. C4. Oh, it's in the truck! Oh my god, it's a zombie! 1v1. It's the stun! Shout for the win! He gets it! Et du coup, ils ont annoncé le WSOW 2. Je vous laisse découvrir ça en image. Régalez-vous. C'est mes réactions en direct sur Twitch quand je l'apprends. Amen. Oui! C'est réannoncé! Abandonner. Ce Caldewa! Les WSOW is back, chat. He's back, baby. He's back, motherfucker. J'ai combien de temps pour m'entraîner? Je deviens fébrile. Je vais me prendre un demi-million sur une compète qui est quasiment gagnée à l'avance. C'est de l'argent gratuit. Filet bleu. Back to back, motherfucker. Ok. Les games open. Attends, quoi? Attends, 8, 12, 8, 15. C'est quoi? C'est 4-4-2? Y'a Zidane à l'avant? C'est qui? Ok. Ok. De qualifier, y'a 20 trios. D'invité, y'a 20 trios. Pouah, j'aimerais pas passer les qualifieurs. Hein. Ça doit pas être marrant. Oh, les qualifieurs, les gars, ça va. Oh! On n'existe pas les Européens! Je les ai gagnés aussi! Mange merde! Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup, beaucoup à gagner. 600 000 $. Équipe de 3, je vais devoir trouver 2 mates. Qui est-ce que je prends? Est-ce que je prends mes gars habitués? Est-ce que je prends d'autres personnes? Est-ce que je pars sur celui qui a fait top 2 et top 3? C'est-à-dire, est-ce que je propose à FIFA Kill ainsi que Jesus? Est-ce qu'on part sur une équipe européenne? J'ai toutes les décisions à prendre, tout à chercher. Ça commence dès maintenant. Dans les choses vraiment qui sont intéressantes et intrigantes, c'est comment est-ce que ça va se dérouler cette fois-ci exactement? Ça va être complètement différent, ça va être une autre méta, une autre réflexion. Avant, on se demandait, est-ce que je joue plutôt capteur cardiaque pour savoir où sont les ennemis? Ou est-ce que je joue plutôt paralysante? Là, il y a une autre option qui vient de rentrer en jeu, c'est l'option stimulante. Comme vous l'avez vu, maintenant, on peut camper énormément dans le gaz. Un petit stimulant, le masque, un système PDS, parce que le système PDS n'existait pas avant aussi. Et pourtant, il y a eu des rotations de malades mentaux qui ont été faites dans l'hôpital. Je pense notamment à celle de Jesus, complètement extérieur, puis il a remonté tout le bâtiment, il a clear le toit. Incroyable. Il y aura une grande partie à jouer dans le gaz lors de ce WSOW. Et donc, l'option stimulant PDS est fort recommandé, sauf que un bouclier avec du stimulant, est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose? Je ne sais pas. Je vais devoir réfléchir au style de jeu que je vais devoir adopter, parce que, encore une fois, en solo YOLO, ce sera 100 000 $. Donc là, comment ça se passe? Il y a les qualifieurs qui commencent du 12 au 15 août si vous voulez participer. Je pense que tout le monde peut s'inscrire pour tester, ça risque juste d'être extrêmement compliqué. Et après, on partira sur du coup 40 trios.
Donc 40 capitaines d'équipe qui vont devoir choisir deux mates, ça fera 120 joueurs, et ça sera parti pour la solo YOLO. C'est juste la meilleure game du tournoi. Le tournoi en trio, même s'il y a 500 000 à gagner, je suis carrément plus hype par la solo, vous me connaissez. En tout cas, c'est juste l'événement que j'attendais le plus cette année. J'espère que vous serez derrière moi à fond pour soutenir. Je vais m'entraîner, je vais réfléchir à des stratégies, je vais réfléchir à des idées, je vais apprendre la map encore plus qu'avant, parce que ça va se passer sur Caldera. Caldera va être mise en valeur et on sait que beaucoup des joueurs pros n'aiment pas du tout Caldera. Bien au contraire, genre ils préfèrent s'amuser en Résurgence ou sur Fortune Keep pour tryharder, faire... En fait, ça rappelle beaucoup plus le multijoueur pour eux. Et le vrai Battle Royale, Caldera, il plaît beaucoup moins. Et je pense que là, il va tellement être mis en avant que tout le monde va dans le tryharder. Les games, le niveau va sacrément augmenter, chat. J'espère que vous êtes tout autant hypé que moi. Je pense que pour mon anniversaire, on se refera une session matage WSOW. Je vous fais des bisous, les ultras. Prenez soin de vous. Et dites-moi en commentaire, qui est-ce que vous verriez comme mate ou comme stratégie. Je lirai quasiment tout. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Peace. Ah, pensez à liker, commenter et abonnez-vous.